pour nous, on est dans le désert. Et là, il est 8h30 et on a notre bus pour Grenade. Et on a vu le soleil se lever et tout. On est arrivé et on est claqué. On s'est posé dans un petit café, histoire de pas s'endormir. C'est très mignon. Et on a pris aussi des petits toasts. Des aguagato. Et ça, t'as pris jamon ibérico. Ouais, j'arrête pas de voir ça partout, donc on va goûter. Et le Airbnb, on l'a que cet après-midi. On va essayer de demander si on peut dormir dans un canapé ou quoi. Buen provecho. On dit quoi? Ouais, très discrète, toujours. Du coup, les rues, elles sont tellement petites que les voitures, elles doivent s'arrêter pour qu'on passe ici. Pour avoir la place d'avoir des piétons. Ouais, on voit l'Alhambra ici. Voilà, on trouvait ça trop beau et on voit que c'est une école. C'est trop bien parce que ça nous change de... totalement de Malaga. Genre vraiment, le paysage est très différent, mais c'est hyper simple et super mignon, les petites ruelles comme ça. Très charmant. C'est charmant, voilà, c'est le mot. Allez, c'est reparti pour le boucan. C'est trop beau. Ah viens, on monte là, c'est là. C'est trop beau déjà ici. J'entends Noupi me dire que la vue est trop belle. Incroyable. Oh là là. J'ai envie de pleurer. Moi aussi. J'avais que ça allait être beau, mais pas. Ouais, pareil, pareil. Oh là là. Donc là, il doit avoir une petite cuisine partagée. C'est trop mignon. C'est peut-être un bout de la lampe, ça. Forcément, c'est... Ouais. C'est genre un truc à visiter. Je savais quand même que ça allait rajouter un truc si on prenait celui-là. C'est magnifique. Bon, on a vu plein d'enfants. Ils étaient habillés normal. Et puis t'as nous, genre on fait les clichés vraiment à fond. Et on va faire nos meilleures photos. Donc on va visiter l'Alhambra et les palais de Nasrid. On est déjà essoufflés parce que c'est en montée de ouf. Oh mon dieu, regarde ce qui nous attend. Oh là là. Des grenades de grenades. Pour vous la faire courte, on arrive et puis on se fait aborder par des guides qui veulent nous vendre la visite guidée. On hésite un peu, ils disent que c'est 5 euros. Et après, ils arrivent et ils nous disent, enfin, ils discutent avec nous longtemps. La guide en français arrive. La guide en français arrive et nous dit, en fait, ce serait plutôt 70 euros. On n'a pas fini notre anecdote tout à l'heure parce qu'au final, on devait rentrer. On a montré au moins 5 fois nos tickets. 5 fois la carte d'identité aussi. Mais avant de commencer, j'adore les nénuphars. Après, on rentre, ils disent, ouais, mais vous êtes en retard de 10 minutes là et tout. Et j'avais bien vu sur internet qu'il fallait être bien à l'heure et qu'ils pouvaient être refusés parce que c'est hyper demandé. Apparemment, il y a beaucoup de queues. Au final, ça allait, mais bref, ils nous ont stressés de ouf en mode, vous êtes en retard. Et du coup, j'ai dit, bah écoutez, les guides, ils nous parlent depuis 10 minutes. Après, on a avancé vraiment à fond, on a tout passé. On allait vite. On se dépêchait. Déjà aussi, on pensait pas que c'était si grand. On était trop stressés. Et heureusement, on a croisé un monsieur, on lui a demandé. Et là, ça a commencé à nous rassurer. On lui a montré nos billets. Elle a fait, ah, parfait. Je sais plus ce qu'il a dit. 15 heures, parfait. Tout. Il nous a mis dans une file où il n'y avait personne en plus. Ouais, ça, j'ai pas compris pourquoi on était VIP. Ange gardien. Ouais, c'est ça, on a eu un ange gardien. En tout cas, c'est hyper grand, c'est super beau. Et
Bah, nous, ce qui nous a frappé, ouais, c'était les détails. Ouais, il fait froid là, il commence à faire froid. Mais les détails, il y en a énormément, il y en a de partout, c'est de plus en plus beau. Donc là, on est dans les jardins et c'est vraiment super joli aussi. Ouais. On est en train de faire nos courses. Parce qu'on va en pause, on va faire des petits repas à la maison, mais comme il n'y a rien pour cuire, ben on va faire que micro-ondes. Et franchement, on va vous faire le petit haul tout à l'heure, mais on s'est pas mal débrouillé. Et c'est pas très cher, évidemment. Je sais pas si la luminosité est bonne, mais on va vous faire du coup le petit haul nourriture. Pizza, moutarde et miel au poulet, et thon teriyaki. On a tellement faim, on a justement, on n'a pas mangé en fait depuis les... Ce matin, les petits toasts. Gazpacho, du quinoa, des légumes en conserve. Ça c'est le matin quand on se réveille. Un agro. Et le chiao à la poire en guise de dessert. Voilà. Que pour 15 euros tout ouais. Ça. 15 euros. Ça nous fait deux repas, un petit déj. Ouais, un très plat de dessert. C'est éclairé, du coup c'est trop beau. On a galéré à trouver la lumière. Au début on était presque dans le noir, ça faisait trop de peine. Hashtag un peu comme à Miami. Dani m'a envoyé un TikTok. Le vlog. Hola. Vamos a comer churros. Con chocolate. C'est un peu une des spécialités ici, ou en tout cas il y en a partout. Pour le petit déj. Et on est vraiment à l'heure espagnole pour le coup, puisqu'il est midi. Donc on a des pièces ou pas pour l'emmener? Oui. Comme ça, on va. Oh, j'étais prise en flagrant délit. Mais regarde sur le mannequin là. C'est trop beau. Ah, viens, on va voir. Ouais. Là, on est trop contents parce qu'on a vu vraiment le flamenco dès qu'on est descendu de notre rue. Et justement, juste avant, ce qui est drôle, c'est qu'on était en train d'en parler parce qu'on se disait, c'est pourquoi c'est un attrape-touriste. Parce que ce soir, on voulait faire un repas dîner spectacle. C'est sûr que les locaux, ils vont pas. Les, ouais. Les locaux, ils font pas ça parce que j'ai dit, Benoupi, normalement, il y en a dans la rue. Et là, direct, on voit. Donc. C'est trop beau d'imprimer en vrai. Comme ça, c'est joli. J'ai l'impression que je vais grave vite. C'est grave, non ? Perdu, moins un point. C'est super bon. Il croustille de ouf. C'est pas trop bon. Moi, c'est ça que j'aime pas récemment dans les churros. C'est que pourquoi c'est trop bon. Ce que je trouve différent, c'est qu'il croustille, mais en mode plus aigu. Genre, c'est pas... Oh oui. Quelle belle idée. Puis, on regarde les cadeaux de Nougat parce que c'est un peu typique d'ici, d'Andalousie. Ça, c'est un iPhone brûlé. Donc ça, c'est pour papy Jean-Claude, pour maman. Et des petits vermicelles et de la coriandre pour assaisonner le tout. C'est trop bon.
sens beaucoup les émotions. Ouais, beaucoup, franchement, rien à voir avec les spectacles de rue. Enfin, là, il y a la scénographie, la résonance, ouais, tu te sens les tellement lumières. En plus, elle a changé deux fois de robe. Dimanche, un peu perdu ma voix, c'est le dernier jour et on doit rendre déjà nos chambres à 11h, donc là on la rend dans 10 minutes, mais comme on doit partir vers 16h, 17h ce soir, ce qu'on va faire c'est qu'on va, on laisse nos affaires ici, on va venir les récupérer au dernier moment, et là on profite une dernière fois de la vue et on va enfin profiter de la terrasse, puisqu'on va se faire à manger avant de partir visiter d'autres petites choses, donc... Je vais aller préparer à manger dans la belle cuisine. Who am I, I'm getting paid, bitch? Who am I, I'm so flagrant? Who am I, she tastes flavors? Who am I, I'm the greatest? Oh! Oh, non plus, attention! Bon, alors du coup, là... Attends, j'ai essayé. Ah, mais on peut rentrer dedans. On va au Sacromonte, qui est un village normalement, si je ne me trompe pas, j'ai regardé. Ça manque beaucoup. Qui est un... non. Qui est un village gitan, et donc ça a l'air magnifique. On est de retour à la place avec nos valises. Du coup, finalement, on a plus de temps à tuer que prévu. Bon, chemin, on a trouvé des empanadas, c'est ça. Donc, on va d'abord faire ça. On fait le jeu numéro 2. Et oh, en fait, on doit placer... Bon, le premier était facile, on a tout de suite trouvé. Ah, je sens très rarement ça. Bah... Ah ouais. Soit Claude Giroffe, peut-être Santal. Ou c'est entre ces deux-là. Jérôme Marin. Direct, j'en avais dans mon jardin. On s'est posé vraiment dans la roue. Et que passo. Hall de Passo dans nos rossés. Ça filmait. Ah, c'est moi ça. Et après, on va peut-être voir un petit spectacle de flamenco gratuit là. On s'est fait aborder dans la rue, alors comme des bonnes touristes. Ça a nous pire. Non. C'est quoi? Mango et maracuja. Ouais. Oh, c'est bon, mais je trouve que ça a le même goût que d'habitude. Oh non. Ça a le goût multifruit. Après avoir regardé deux fois du flamenco avant de partir, on reprend des petits churros, les derniers churros, et après on va vraiment partir.